Coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff de live du Not So Berry. Voilà, j'attends, je savais que quelqu'un allait le faire. Coucou YouTube. J'espère que vous allez bien. Et on retrouve nos petits amoureux hein, que nous avions quittés la semaine dernière. Salut les copains à la compote de la rediff. Parce que là, du coup, je vois directement quand vous avez moi ou le chat sur la tronche. Voilà, les amoureux des bons publics qui s'étaient fiancés la dernière fois. Bah, aujourd'hui, on va passer au mariage, les enfants. Mais par contre, c'est... ah bah elle travaille. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, allez. Bon après, c'est vrai qu'on s'en fout. D'après ce que je me souviens, il faut que j'aille chercher les règles. Bah ouais, je les ai pas. Je les ai pas sous le pif, donc forcément. Mais les règles, j'ai pas pris. Ah si, Not So Berry. On s'en fout en fait de monter en grade pour la carrière médecin. Donc je peux lui faire mettre quand même un jour de repos qui sera très bien pour leur mariage. Puisqu'aujourd'hui ça va être un jour de mariage. Voilà, pour Lila et Dan. Coucou Youyout et Ludina. S'il faut un divorce, il faut déjà un mariage. Hein, sinon. Salut Muscat, comment tu vas? J'ai déjà fait... Oui, je l'ai fait avant même d'être sur l'image du live. J'ai déjà fait tout. J'ai fait Insta, j'ai fait tweet, j'ai fait tout, déjà. J'ai tout fait. Je suis une professionnelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram. Voilà, pour avoir des news de la chaîne, de moi, si ça vous intéresse, tout ça. Enfin, je sais que moi, être moins intéressant, mais bon, au cas où. Bon, comme elle commence un peu à 7h du matin, tu peux te lever, s'il te plaît, tu vas prendre un jour de congé, comme ça, c'est fait. Ah ah ! Alors, oui, elle a changé son pyjama. Il y a eu un tout petit relooking. Motif du divorce, Lila aime une femme et se mettra avec et quittera Ross. Un air déjà vu. Ah mais non, il n'y a pas de Ross ici. Il n'y a pas de Ross. Non, non, il faut qu'elle se remarie avec lui. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, va bouffer, écoute, fais ta vie. Mmh, oh, du gâteau pour le petit-déj. Vive les futurs divorcés, c'est ça. C'est exactement ça. Futur marié, futur divorcé, puisque ben aujourd'hui, merci Marie pour le RT, ça va être mariage et sûrement divorce. Par contre, du coup, la semaine prochaine, je pense qu'on s'installera dans une nouvelle maison. Parce qu'il faudra bien... Il faudra bien... Je sais bien parce que je finis pas mes phrases. Il faudra, en fait, vu qu'ils seront brouillés et divorcés, qu'ils aient deux chambres. Ça risque d'être un peu... Voilà, s'ils peuvent pas se voir dans le même studio, ça va être un peu chaud. Okay. Non, on fait les gosses après. Hein, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire avec Lila, au niveau de ses compétences et tout. Donc, je préfère avancer dans ses compétences. Et les enfants viendront après, sinon ça va me ralentir. C'est les enfants, ça fait toujours ralentir la vie, on est au courant. Voilà. D'ailleurs, je tiens à vous dire que du côté de Nunu et Adonis, bah, ils ont vieilli, hein. Ils sont personnes âgées. Donc voilà, c'est triste. On va les voir, mais je vous annonce qu'ils sont vieux déjà, donc faudra... Ça va être choc, ça va être un petit choc. Plus pour Adonis que Nuage, parce que Nuage, bon, bah, elle a déjà les cheveux gris. Mais là, elle sera ridée, donc ça va pas être beau. Bah en fait, Yana, je t'explique, parce que s'ils continuent pas de vivre ensemble après le divorce, lui, il va aller faire des gosses ailleurs. Voilà. Et c'est pas dans notre intérêt d'avoir des demi-sœurs et demi-frères à nos enfants. Donc ils vont rester ensemble, et puis voilà, quoi. Et puis, de toute façon, il faut que il se rabiboche. Donc, c'est mieux s'il est à domicile, tu vois. Elle partage des idées brillantes. Qu'est-ce que tu vas raconter? Discuter de la théorie des couleurs. Stupido. Pardon.
Faut que je prenne la... Que je sais qu'il y a un énorme truc ici qui s'appelle le chat. Maintenant, je le vois, hein, donc... Ça sent le sapin. Mais non, sent... Les enfants vont ralentir la vie sur les 2020. Mais bien sûr! Mais on le sait tous! Le chou lapin. Bah non, mais avec le MCC, si tu les contrôles pas dans ton foyer, ben ils se reproduisent à vitesse grand V, quoi. On a vu ça avec beaucoup déjà. Hein, Lilat? Ouais, Lilat. Du coup, ouais, la semaine prochaine, on ira. On s'installera dans une nouvelle maison, je pense. On a un petit peu le budget, ouais, 8000, c'est pas énorme. On fera une toute petite maison avec deux chambres. Aujourd'hui, je suis pas sortie de chez moi, je suis restée à l'intérieur car trop chaud extérieur. Bien fait l'intérieur. Ah bah oui, mais bien sûr. Mais les... Puis bon, on a toujours des trucs à faire. Hein. Oh bah, il nettoie. C'est moi ou le son, il. Régler le volume. Ah, il est en. C'est parce qu'il est en bas. Parce que j'ai l'impression d'être sourdingue. Alors, Gertrude, tu peux... D'ailleurs, comment vont les cafards? Il y a plus... tout va bien? Il n'y a pas de souris, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de fuite. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, ça fait 5 minutes qu'on est sur le jeu, là. Et il ne s'est pas encore passé de problème. Faire crac-crac. Tu peux le flatter. Comment ça, aller au travail? Ah bah non, bah oui, bah non, bah ils vont se marier. Je suis consternée. Je suis stupide surtout. Alors, voilà. Mais faites des crac-crac, boum, U avant, hein, parce que ça va être chaud après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous allez vous asseoir pour vous parler 3 secondes alors qu'elle va aller pisser juste après. Oh, je fais un peu ménage et je joue la console. Bah voilà, c'est tranquille. Je pense que demain, journée la plus chaude, je vais devoir prendre le RER et métro. Je peux plus de cette vie, j'aurais dû dire non à ma boss. Moi, ça va, mais je le prends le matin. Donc, ça devrait être bon. Je devrais éviter la grosse chaleur. Tout va trop bien, c'est trop bizarre. Mais tellement. Salut, sorcière! Ça fait longtemps! Comment tu vas? Exactement, ça fait trop chelou qu'il n'y a pas de problème dans cet appartement, c'est pas normal. Mais écoute, mec, vas-y, puis t'as encore faim, vas-y. Hein. Toi, si tu peux, s'il te plaît, faire un paysage, voilà. Améliore tes capacités en truc. Alors, bien sûr, Bichette Lila, elle va se mettre à tricoter. Hein. Sachez-le. Vu que c'est une compétence qui sera rapide à monter, eh bien, ce sera une des compétences qu'elle va monter. Parce que, sachant que j'ai toujours pas. On va faire bien-être. Peinture. Oh, ah ouais. Bon, on a la danse qui est à 5, mais j'ai... Voilà. Je voulais faire la cuisine. 4, ouais. Putain, ah ouais, on a beaucoup à faire. Un bricolage, bricolage, ce serait pas mal, mais... Ouais. Faudrait vraiment que je me les note, en fait, la liste des perfs, des compétences qu'on va maxer à mort, parce que... On va t'acheter un petit panier, là. Bon, bien sûr, voilà, il va me dire que tout est neuf, hein, bon. Parce que, comme d'hab, malgré que j'ai déjà cliqué sur tout, hein, il me dit toujours qu'il y a des trucs. Hein. À moins que ce soit là-dedans, je sais même pas. Ah, si, c'est là. Alors, on va en prendre un mignon. Voilà, il est violet, c'est parfait. Tac, ça pourra tricoter. Ça fait longtemps que je vais bien. Bah, c'est vrai que ça va, ça va. Allez, une fuite d'eau, mais non. Quand même. Ils vont se marier avant. Regardez, il s'est fait un petit peu relooker, hein. C'est mieux. Voilà, pour l'instant, ils vivent tranquillement. C'est bien, c'est la vie, c'est... voilà. Tu vas me faire ça et tu vas commencer à tricoter, ma cocotte, un petit peu. Tricoter des bonnets. Alors, on va tricoter... Un bonnet orange pour les futurs enfants qui seront de la génération orange. Moi, je pense déjà à l'avenir, vous voyez. Elle sait pas, mais moi, j'y pense. C'est ça qui est beau. Il est pas mal. Ah ouais, mais carrément. Puis comme ça, ceux qui n'ont pas encore vu le tricotage, ben,
vous pourrez admirer Lila qui tricote. Avec leurs pieux en guise d'aiguille. Qu'est-ce qu'on se fait chier d'un coup? Lui il lit. Là on a la musique. Et elle tricote. Qu'est-ce que quoi? Hein? Ouais ça va, c'est pas mal. Yibs, yibs. Pardon. Ah non mais que ce soit progressif c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. C'est cool qu'existe le tricot dans les Sims 4, j'aimerais aussi du crochet, du tissage. Ah ouais, alors déjà tricot, ça date de cette semaine, donc attention, faut pas aller plus vite hein, que la musique, mais c'est déjà bien quoi. C'est déjà sympa qu'ils aient fait ça, enfin c'est la communauté qui l'a choisi. Hein. J'ai testé le pack sur un enfant Sim, c'est pas trop mal. Ouais, pareil, ouais, avec les enfants ils peuvent le faire, j'avoue, j'ai pas testé moi. Salut Fano, comment ça va? J'arrive sur un gros plan sur les fesses du Sims. Oh, bah et nous, on regarde toujours la marchandise, tu sais. Parce que si ces deux-là ils doivent nous faire des gosses, faut quand même que le bétail soit de bonne qualité, tu vois. Qu'il soit estampillé la belle rouge. Elle regarde même pas ce qu'elle fait, non? Elle aussi, elle a les yeux. Regardez où est-ce qu'elle regarde. Attendez. Tu regardes quoi? Oh non! Ah si si! Ah si si, je pense qu'elle regarde effectivement l'entrejambe de son mec. Alors moi qui fais des gros plans sur le zizi, enfin sur les fesses, ça passe, mais elle mate que le zizi. Regardez! Mais elle le suit des yeux, hein! Elle a vu un machin, elle a vu le loup, ça y est! Elle a des envies de saucisse la coquine. C'est ça! C'est la... Mais meuf! Elle se dit, ça y est, j'ai assez reluqué. Ah non, elle est repartie. Tu veux lui faire un petit cache sexe, c'est ça? En tricot, c'est mignon. Ça n'existe pas, je l'ai pas vu, moi, dans les options. Hein. Mais bon. Le mouvement du masculin va se lancer avec ton stream. Pourquoi pas? Oh, c'est pour du rire, évidemment. La belle rouge plus, exactement. Bon, une fois qu'elle aura tricoté ça, ça va, il va être l'heure, on pourra aller se marier. Voilà. Elle a fait un bonnel. Alors, attendez. Tricoter des bonnets. Elle n'a pas envie de tricoter? Comment ça? Marre du tricot. Raison trouve le tricot ennuyeux. Certains Sims ont une patience limitée pour les arts de la laine. Il est temps de ranger les aiguilles et de réessayer plus tard. Bah écoutez, heureusement que la Sims que j'ai fait et que j'ai pris pour qu'elle fasse du tricot sans discontinuer, parce qu'à chaque fois je leur remontais les besoins pour faire ma vidéo, qu'elle n'a pas eu marre, parce que... Et après, elle est quand même contente parce qu'elle a un tricot stylé. Ok. Tu peux... Vas-y, fais un petit crac-crac avec ton mec. Et puis, voilà. Parce qu'après, ils vont se marier. Ils en profitent, ça va pas durer, hein, petit bonheur, là. Voilà. Événement social, à vrai. Salut, Kilnem, comment ça va? Sinon, elle va tuer quelqu'un avec les aiguilles, c'est ça? Elle lui tricote un slip. Avec la trompe d'éléphant. Et à côté d'un, se disent que mec... Attends, quoi? Et à côté de ce que disent certains mecs sur vous, ce n'est rien. Non, mais moi, c'est de l'humour, hein. Après, je me... Il y a des façons de dire. Là, je parle d'un Sims. Ça n'a rien à voir. Je dirais la même chose que je suis pour une femelle de Sims, tu vois. Je m'en fous. Ça va, et toi, table masculouille? Masculouille, bah écoute, ça va bien. Par contre, je vais m'éloigner. J'ai l'impression d'être une perverse. Voilà, tu me dis quand t'as fini ton truc, là, hein, que vous alliez vous marier. Ça sera doublement de bonne humeur. Hein. C'était bien au moins. Ça en valait la peine. Bon, bah, ça en va. Ses réactions lors de la proposition, c'est ça. Ce fut rapide. Oh, dis donc. Quand même. J'ai jamais marié dans ce jeu. Alors, qui c'est qu'on va inviter?
Perle, de la Cruz. Oh putain, Perle aussi, elle est devenue vieille. Oh, Mazette. Ah, il va y avoir des coups de vieux. Allez, Basile, parce qu'on s'entendait bien avec lui. Yann, parce que c'est le cousin. Lavande, Mini, Adonis. Nuage, la belle maman. Prune, je l'avais oublié qu'elle était là. Elle est pas là, Mini. Ma Mini, elle va se faire bouder encore. Hein, sur. Bon, la famille, Lila, elle connaît pas trop les cousins-cousines. Hein. Ah si, Lila Marina, j'ai oublié. Oh, elle est tellement moche. Ah si, Mini, là. Oh là là, mais je capte plus rien, moi. Bon, c'est bien, on a ça. C'est... Bon, lui, allez, on va prendre des copains. C'était les possibles amoureux. On va prendre tout, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller se marier. J'avoue que je sais pas si j'ai... Ah, j'ai ma petite église. Parfait, on va aller à mon église alors. Mais voyons, petite gyrocoptère, tu es fatiguée. X. X. Elle a bien dit gyrocoptère. Mais ça existe, ce truc, d'ailleurs. Je sais même pas. Je suis toujours fatiguée, moi. Alors, Lila. C'est une bien jolie robe, mais... Je t'en ai choisi une quand même un peu plus. Bah, elle est. Enfin, voilà. Elle est un peu plus. Voilà, mais quand même. Toi, par contre, pareil, je t'ai relooké. Hein. C'est pas ça ton. Toi, voilà. Regardez. Regardez le beau costume. Il est dans la tendance prune. Oui. Il est dans la tendance prune. Tu vas te présenter. Surtout ses sœurs qu'il faudrait que tu connaisses, mais là il y a personne. C'est qui ces gens? Adonis! Je l'avais pas reconnu. J'avais pas reconnu Adonis. Bah ouais, ça c'est. Voilà. Il est gris, hein. Comme les cheveux, il a rejoint sa femme. La femme de la génération grise. Regardez Mini. Ça fait mal, hein. On les a pas vus vieillir, hein. Merci beaucoup, Andrea! Pour le follow, bienvenue à toi. On les a pas vus vieillir, mais ils sont bien là, ils sont bien vieux et ils sont bien dégueulasses. Salut la Vandounette, comment tu vas? Ah, Prune est là et elle fait la gueule. Enfin, elle est énervée. C'est de calmer. Les sœurs. Par contre, toi, si tu veux venir dire bonjour aux sœurs... Ah, tu peux pas. Ok. Bon, il manque Nunu. Ah, elle est là, Nunu. Alors, Nunu, de loin, on dirait pas, mais de près. De près, Nunu, elle a perdu. Bah, elle a perdu tout son charme. On va dire bonjour à belle-maman quand même. Comment ça, tenter de se présenter? Oh, ça va, c'est une vedette débutante. D'accord. Ouais, il a déjà épicé. Eh bah écoute, nous avons les petits pipi room là, tu peux y aller. Oui, Lila, elle a une robe très particulière hein, pour son mariage. Tu vas enlacer ta mère parce qu'elle va bientôt y passer. Ça fait plaisir de voir tout le monde quand même. Ouais, ça y est. Salut, madame J, comment tu vas? Cette perlouse insulte pas Mini. Oh, j'insulte pas Mini. Je croyais qu'elle allait pas, elle serait pas là au mariage. Mais en fait, si, ça va. Final, d'après Google, un gyrocoptère et un autogire. C'est un mélange entre un avion, un hélicoptère et avec une hélice. Pourquoi pas, mais bon, on va dire que crime. Je pense qu'elle va râler parce qu'on remet ça sur le tapis. Salut, Mams. On va faire un câlin à maman quand même. Entre héritières. Excusez-moi. Allez, on va ajouter à la bande là. Action. Ajouter à la bande. On va ajouter les gens parce que sinon ils vont jamais venir au mariage. Ah, j'ai fait du bien à éternuer, moi je vous le dis. Hein. Là, papa. On va quand même mettre papa. Elle est où la prune? À tes souhaits. Merci. Qui c'est?
C'est une grise, mais c'est pas de la génération grise. Ok, prune, elle est où? Cette gourgeasse là. Ah, Minnie est là! Et belle-maman. Ah, c'est belle-maman. Attends, c'est belle-maman. Tu vas la remercier d'être là, ta mère. Action ajoutée à la bande. On va mettre Minnie là, avec cette bande-là. Bon, tu vas te présenter alors. Ça, on sait pas, c'est le clodo du parc. Ok! Ah, mais elle était là, prune, mais je suis. Je les vois pas, moi, mes Sims. La cousine, la mère, tout ça. Allez, ça va être emballé, c'est pesé. On va aller se diriger dans l'église. Alors, bien sûr, si vous voulez ce terrain et cette jolie église, c'est dans la galerie. Avec mon idée. ID Origin, agent Shirley, vous y êtes. D'ailleurs, c'est le terrain qui a le plus de téléchargements sur toute ma galerie. J'ai pas réussi à faire mieux que ça. Tu peux pas l'appeler. Tu vas l'appeler. Voilà, tout le monde va aller ici. Quoi? Viens ici, tu vas te marier. Oh, elles sont toutes belles, les sœurs et tout, là, en violet, là. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, tu viens, t'arrêtes de discuter, Dan? Ça arrive, ça arrive, ça arrive, vous inquiétez pas. Ah, tes souliers, vous avez écrit la même chose. Merci. Comment va mon Basile? Bah ça va, il a l'air debout. Il a l'air debout. C'est bon, tout le monde est là? S'inquiéter à propos des mariages. Maintenant, vous allez vous marier? Oh, ils sont encore des mamours. Oh. Oh, trop mignon. Trop mignon. Mais. Il y a ta future femme qui t'attend là-bas. Arrête de courir dans tous les sens. J'adore ce costume. J'adore ce costume. Je pourrais le mettre à tous mes mecs pour les mariages. C'est bon? On peut se foutre la bague au doigt ou comment ça se passe? Allez. Je crois qu'ils veulent renouer leur lien de mariage. Hein. Eh, ça a été votre tour à une époque, laissez la place. Hein. Allez vous asseoir plutôt. Tiens, Maria, moi j'aime bien les mariages. Casse-toi, nuage! Bonjour, belle maman. Qu'on a soigné de la cystite la semaine dernière. C'est bon, ils se sont barrés. Je pourrais refaire des photos. C'est le mariage de Lila et de Dan. Oh. Voilà, c'est beau. Tout le monde est calme dans l'assemblée. Vous croyez qu'il y a des gens? Ou ils sont tous barrés? Regarde! Un anneau pour les gouverner tous! Un anneau pour les lier! Et dans les ténèbres! Les lier, ouais, je connais plus. Wouhou! Ah, oh, si! Il y a au moins papa qui regardait. Oh, les mamans, le copain, les sœurs, ça va, ils étaient là, regardez. Ah! Pourtant, t'es pas enceinte, Perle. Il y a que les femmes enceintes qui se pissent dessus. Hein. Ah bah, lui aussi. Ah, il y a des buissons, hein, les enfants. Chez nous, c'est à la campagne. Hein. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ils se sont mariés. Et ils se sont mariés. C'est maintenant l'heure de faire des bébés. Non, c'est pas vrai. Voilà. Beaucoup de bonheur, Lila, plein de bonnes choses, d'amour et de réussite. Cœur, cœur. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Combien de temps ça va durer, ça, est la question. Oh, c'est pas vrai, on a un gâteau. Voilà la pièce montée. La pièce montée.
On va la démonter. Ah, quelqu'un enfin un traiteur qui fait un vrai plat et un vrai gâteau, parce que moi quand je prends des traiteurs qui me font pas de gâteau, bah c'est mes Sims qui doivent le faire eux-mêmes. C'est abusé. On va mettre de la musique aussi les enfants si vous avez. Alors on va mettre quoi comme musique? Électronique. Et on va la mettre à fond pour pouvoir danser. Bon, on va visiter avec Lila, hein, parce que c'est tellement une belle... Mais... Voilà, regardez, qu'est-ce que c'est beau. Oh, quelle belle construction, bah, dis donc. Un traiteur efficace, incroyable. C'est un peu comme les majordomes, hein, ça devient des perles rares. Hein. Hop là. Où est ton mec? Ton mari, excuse-moi. Ah, ils vont manger le gâteau. Qu'est-ce que c'est mignon. Ils vont manger le fruit des fondus. Oh. Je fais chaîne maintenant, genre les Sims, je crois que je vais m'y mettre maintenant. Ah non, mais moi, je... Alors, si tu te réfères au mariage que j'ai pu faire avec le Decades, c'est la plupart du temps des catastrophes. Vraiment. C'est pas fait exprès. Mais c'est généralement de la merde. Mais j'adore marier mes Sims. Ça, c'est un truc... je trouve ça trop joli, en fait, trop mignon. Donc, Écoute, vas-y, hein. Fais connaissance avec tes belles-sœurs, hein. Ah ben, il y a du monde, dis donc, là. Tu vas faire une présentation militaire, là. Et lui, c'est qui? C'est le mixologue. Bah oui, parce que j'ai pris un mixologue alors qu'il n'y a pas de bar. Ah, il faudrait que je refasse un endroit pour marier mes Sims, moi. Parce que j'aime trop ça. Et lui, il a toujours pas pissé. Il va se pisser dessus, je le sens bien. Je le sens bien que ça va se pisser dessus. Une mariée qui sera pas obligée de faire son gâteau. C'est ça. C'est assez rare, hein, chez moi, quand même. Hein. Eh, mais de loin, elle serait presque mignonne, Prune. Par contre, les boobs, c'est incroyable. Hein. De face, elle est adorable, hein, mais... Mais pas de face. Comment tu regardes la belle... la tante, toi, là? Regardez comment il a... Il regarde de mini... Si, c'est Mini qui regarde. Tu vas te calmer, hein. Moi, je vais te calmer tes ardeurs, hein. On va pas faire une sieste. Ah! Moi, la gogole, elle a commencé un tricot dans l'église. Tout va bien. Non, mais... Non, t'es pas obligé de tricoter dans l'église. C'est quoi qui... Ah, c'est les guirlandes, là. D'accord. Viens danser. Sous les sunlights des tropiques. L'amour se raconte en musique. T'as même pas dit bonjour à lui, qui a failli être ton mari. Ça s'est joué de peu. Hein. Ça devait être lui, puis finalement, Dan est arrivé dans le sillon et on a fait... Oh, on va prendre Dan. Ça va, tout va bien. C'est mignon. Oh papa, l'Adonis il se met à danser aussi. Allez, on va inviter Prune, on va inviter Lavande, on va inviter Dan. Elle est où maman? Elle est où Nuage? Ah mais putain, mais moi je les reconnais plus. Allez Nunu, viens danser. Tu peux chanter Nunu, hein, toi qui étais une chanteuse professionnelle. Enfin, pas professionnelle, mais... C'est la fête. Le tricot le même jour du mariage, c'est super, c'est ça. Mais oui, j'aime bien, moi. Oui, je sais, bonjour Bobo. Bonjour vous. Comment ça va bien? J'espérais en tout cas, puisque si est un jour special. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mon soldat. Happy birthday to you. Alors la vieille, comment ça va, vieille branche? Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Oui, c'est un jour spécial. Lila s'est mariée. C'est ça que tu voulais dire? La Lilate.
bon anniversaire. Agent 21, boule 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 agent 21, Kitty Corn, agent 21, Kitty Corn. Elle l'a carrément cassé son truc, Madame J. Pauvre bichette, elle a dû avoir la peur de sa vie. Allez, là, viens danser tous. Ah merde, Perle, elle a chopé des... Elle a chopé le corona. Ah, oh, Yann s'est pissé dessus. Allez, tout le monde, venez danser, là, c'est la fête. Ah, il est devenu fertile. Yes, compétence 4 de la niveau logique, super. Tout en dansant. Bah, écoutez, c'est la fête, hein. Bah, arrête de faire la gueule, viens danser, Basile. Ah, c'est un mariage réussi. Elle est où la musique? Là. C'est beau, hein? Tous ces gens heureux. Oups, pardon, Madame Perle. Ouais. Bah, tout va bien, ils sont tous beaux, ils sont tous heureux, écoutez. C'est merveilleux. Voilà, c'est le mariage. Par contre, elle aussi, elle va bientôt devoir pisser. Elle est contente, elle a eu son gâteau. Alors, tu vas aller faire un petit pipi pendant un instant là. Ouais, bah, écoute, tu vas aller dans celui-là, c'est lui qui est le plus près. Hein. Ah, nous, on est fous de nature, nous. Hein. Lui, ça va. Mais lui, il a pas mangé. Viens, mange. Viens manger. Oh, Prune. Prune, elle est belle gosse, hein. Oui, je sais. C'est moi qui ai dit ça, qu'elle disait toujours qu'elle était moche. Non, mais je veux dire, si on oublie son menton et ses yeux marrons. Elle s'est bien améliorée avec le temps, quand même. Oh là, Mini. Mini, elle se la pète, c'est la plus jeune, elle dit moi je suis pas encore vieille peau, nanana. Et on n'a pas vu la cousine Marina. De toute façon, tout le monde va se barrer dans quelques secondes, donc. Vu que ça va être la fin du soldat. La fin du mariage. Pécho-le. Mais non, on est mariés! Ah oui, elle s'amuse à courir après sa queue, elle a cassé. Ah bah oui. Mais pour casser un truc quand même, un arbre à chat, c'est balèze. Hein. Ah, à cet âge-là, ils sont débiles, hein. Ils font plein de conneries. Hein. Je me souviens avec Tyrion. Ça a pas été une masse à faire. Hein. Il faut le péco, tant pis pour le mariage. Le péco? Mais non, j'ai choisi l'autre là, Dan, c'est bon, moi. C'est fait, hein. Tu vas te faire pipi dessus, Perle? Quel dommage. Oh, Adonis nous offre son meilleur move. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit Nuage et Adonis, hein. Parce que je sais pas s'ils seront encore là pour le deuxième mariage. Pour le remariage. Oui! Et voilà, c'est une récompense d'or pour ce mariage absolument perfect. Et les jolis petits mariés de la génération Prune sont absolument parfaits. Regardez, ce costume, parfait, hein. Il est parfait. Moi, j'adore. Il y en a qui, Adonis est parti pisser, rentrer chez lui pour pisser. Nuage aussi. Mini est toujours aussi musclé. C'est incroyable. Ah, Noopsa. Ah, Noopsa. Non, mais on s'en fout de ceux qui disent qui s'en vont, là. Ça va. Toi, tu peux t'en aller, en fait. T'as très bien cuisiné, maintenant, tu peux partir. J'attends qu'ils finissent de bouffer, et puis on va rentrer. Ils sont trop mignons. Moi, j'aime trop, là. En plus, elle a une robe qui est vraiment sympa et tout. Je suis trop contente. Ils sont beaux comme des culs. Ah, hein. C'est des beaux culs, hein.
Je sais pas comment elle a fait pour un truc aussi méfiant. Bah ouais, je pense, ouais. Parce que bon... Ah. Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 mais... Qu'est-ce que tu nous fais? Allez, on va rentrer. Allez, on va rentrer, c'est bon. Le mariage est fini, on va rentrer à la maison. Ils sont tous tout mignons comme des petites fessouilles. Bah oui, ils sont adorables. Ah, c'est beau, hein. On va rentrer à l'appart, hein, parce que... Non, pas avec Nuage, non. On va pas rentrer avec ma mère, notre mère. C'est la nuit de noces, on va pas rentrer avec sa mère, non. Oui, Sim Lover, faut pas le dire. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Salut Ricardo, comment tu vas? Bon, bah, nuit de noces oblige, les enfants. C'est la nuit de noces. Non, mais j'en profite, parce qu'après, ça va être compliqué. Place au crac-crac maintenant. Ah, tout à fait. Parce que comme tout à l'heure, elle arrêtait pas de lui reluquer l'entrejambe, maintenant, elle veut y toucher. Ils sont tous les deux claqués. Ça va pas être terrible, je sens, ce soir. Ça va être... ça va être mou du slip, hein. Tu t'es remise du thé rosé? Tout à fait. Ce sera... je remets ça samedi. Nain qu'il name après les bébés au remariage. Le bébé Alice. Il y a trop de choses à faire avec Millie-Lin pour qu'on fasse des gosses tout de suite. Il y en aura, mais pas tout de suite. Comme ça, ça vous donne l'occasion de réfléchir aux prénoms à l'avance. Avec des prénoms orange. Ça va être chaud. Ils vont la peser automatiquement, Madame J. Mais 2 kilos, ça me paraît beaucoup pour un petit machin. Remarque, non, mais elle a 3 mois, elle fait pas 2 kilos. Elle fait 1 kilo. Ah, Lila, elle pue. Alors, on est rentré, on n'a pas eu pas de problème dans l'appart? Qu'est-ce qui se passe? Orangina mort de rire. Bon, après Bordeaux et Pulco, j'ai envie de dire, ce serait pas étonnant, mais ouais. C'est l'hiver! Merde, elle je va bosser. Je retourne arroser le jardin. Bonne soirée, la team Sherlouse. Oh, ce gâchis d'eau. Et puis, et tu dois attendre qu'il fasse nuit, sinon ta pelouse, elle va cramer. Des bisous. Le feu d'artifice en cœur. Ben attends, c'est l'amour, hein. Ils sont amoureux, ils sont mariés. Faut juste trouver un truc pour les faire divorcer maintenant. Des prénoms orange. Ben oui, parce que c'est la génération d'après, orange. Donc, il faut trouver des idées de prénoms qui vont avec la couleur orange. Comme on a fait Lila, Lavande pour la génération prune. Comme d'hab. Et je veux pas du orange. Hein. Clément et Clémentine. Ah, Clément, j'aime pas. Oh, t'es trop mignonne, sorcière. Fantôme. Bah oui, comme j'ai dit, après Pulco, alors on va taper sur Orangina et Fanta. Hein. En plus, ça va pour filles et garçons, c'est bien. Après, on va devoir aller bosser avec elle. Bon, bah, on va travailler avec Lila. Allez. On va aller travailler. Et non, il n'y a même pas de voyage de noces. Ils ont pas... Oh ! La neige. Il n'y a même pas d'argent pour aller... Oh non, j'avais oublié les fantômes. Elle commence par aller aux toilettes, tiens. En plus, elle est fatiguée. Elle va être crevée parce qu'elle n'a pas dormi toute la nuit. Excusez-la, hein, elle a fait crac-crac. Hein. Enfin, elle s'est mariée, je veux dire. Oh, du crac... Laurent Champ. Examinez le patient. Prévez un échantillon. Alors, tu vas discuter de l'état général. Regarde, il a les mêmes cheveux que toi. Par contre, il est moche. Ça, c'est une autre histoire. Ah non, il faut que ce soit bleu. Ah, je vais oublier cette histoire. Mais il y a pas... Ouais, je vais les virer. Hop, allez, dégage. Nous, on donne à des trucs à des gens humains, hein, parce que... Vivants, je veux dire.
Pas des fantômes. On peut recevoir des clients? C'est dimanche? Y'a personne? Non, parce que dans ce cas-là, on va se taper une sieste. Hein. Ça y est. Bon, je la laisse dormir un peu. Oh, madame, vous êtes enceinte! Je sais d'où vient votre problème, madame. Ouais, viens. Félicitations pour ton mariage avec Dan. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Oh, bah, c'est gentil. On dirait qu'elle annonce des glaces. C'est pareil, c'est la glace à la menthe. Alors, ok, c'est parti. Examiner. Alors, prendre un échantillon et la température. On va faire ça tout de suite. Voilà. Quoi, madame, vous avez des gants? Pourquoi? Ça, c'est fait. Elle les a pas électrocutés. Et donc, donner un médicament, examiner les yeux. Vas-y, examine les yeux. T'as raté. Transférer et analyser. Donner un médicament, c'est pas de la nourriture. Pas de nourriture, on a été. Examiner. Attends, on va te transférer, on s'en fout. Vas-y. À toi, parce que c'était le seul qui est vivant. Donc, tu vas échantillon à analyser. Voilà. Un peu à l'usine, hein, ici. Consigner, donner un médicament. On peut demander un médicament. Bah, on peut pas. Comment on fait pour donner un médicament? Consigner résultat. En tout cas, consigner résultat tout de suite. Hop, allez. C'est parti, hein. Citrouille, orangina, potiron. Ouais. Clémentine, c'est le genre d'une meuf que je déteste perso, je peux plus. Y a Clémentine, y a Mandarine aussi, hein. C'est quoi cet hôpital glauque? Bah écoute, ouais, la semaine dernière, on a découvert qu'on avait que des collègues morts. Non, que des fantômes, c'est vraiment un peu ragoûtant, mais j'y peux rien. Discuter de l'état général de santé, vas-y. Oh, examine les oreilles, elle a pas transféré, hein. Examine les oreilles. Bien sûr, avec la lumière qui passe à travers, nous on aime ça. Et encore un échantillon. Tu vas alors on va admirer celui-là parce que les autres ils viennent d'arriver. Celui-là il est plus le voilà, François Fujita. Ah, j'ai loupé l'abonnement YouTube. Merci beaucoup à la personne qui s'est abonnée sur YouTube. Coloquinte Potimarron. Ça va, bah moi ça va, écoute. Et mes loulous, ça passe. Ils passent leur journée à dormir. Donc, ils sont pas traumatisés. Hein. Ils vont même pas voir que je suis pas là. Hein. Ils verront seulement quand c'est ma voisine qui viendra prélever un échantillon. Analyser l'échantillon, donner les médicaments. Oh là là! T'as une petite faim, Lila. Oh, ça va. T'es pas... Ça va, merde. Crotte, hein. Tu vas aller faire ton analyse, là. Hop, vas-y. Elle a fait de la merde, non? Transférer clé des patients et donner un médicament. Mais je peux pas donner... Je peux pas encore donner de médicament. Localiser si une analyse avec une maladie qui nécessite un traitement par médicament. Cliquez sur... Ah oh, ouais. Pourquoi il y a des ordures partout? Écoutez, je ne sais pas. Tu vas transférer le cas du patient et puis c'est tout, hein.
On peut pas donner de médicaments. Tant pis, je l'ai transféré polonais. Plus de choix. Discuter avec un patient de son état général de santé. On fout, tu retournes lui parler, tant qu'à faire. Tant qu'il est bleu. Examinez les yeux. Tant qu'il est bleu, on examine les yeux. Casimir, Olivia. Pourquoi Olivia? C'est vert une olive, c'est pas orange. Température. Mais c'est bien ça! On est médaille d'argent! Maintenant, on doit toujours donner un médicament. Bon, je vous laisse des bisous sur vos agents 21QQ. Des bisous qu'il aime, à bien tal! Bon, bah en attendant, je ne sais pas. Je peux pas donner médicaments. Donc, tu vas venir bouffer un truc. Acheter un encas. Un sandwich BLT. Voilà, moi je peux pas. Garfield. Oui. Sur ce avec un... Ah, c'est sur ce avec un corps rouge. Moi, je croyais que les corps rouges pouvaient rien faire avec eux. Ah, les yeux étoilés. C'est beau d'avoir les yeux étoilés. C'est pour ça qu'elle a pas aimé le de regarder dans les yeux. Enfin, c'est moi qui fais tout dans, dans cette baraque, comme d'habitude. Hein. La grippe du lama. Et lui, il a quoi, merde? Qu'est-ce que t'as, toi? La grippe du lama aussi, d'accord. Les flatulences et fou rire. Madame, je m'approcherai plus de vous. Et toi, t'as quoi, du coup? Vacciné contre les sueurs et tremblements. Bah lui, il pète aussi, hein, gros dégueulasse. Ah, ici, ça pue hein, dans cette chambre-là. Moi, je vous conseille pas d'y aller. Parce que lui, pète et elle, elle a la maladie du P. Avec ça, vous allez perdre le bébé que vous avez dans le bide. Ne vous inquiétez pas. Encore! Faire le lit. Patient guéri. Bah, tout ça grâce à moi. Hein. Oh là là! Oh là 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 là! On n'a pas le temps de prélever un échantillon. Chercher des rapports. Faire chercher des rapports. Mais oui, tu vas rentrer et tu divorces. Tu te rentres et tu divorces. La famille Prout. Cœur bleu, diagnostic à faire. Ah d'accord, ok. Je vous rappelle que c'est la première fois que je fais cette carrière. Hein, donc, je découvre. À quel niveau dans sa carrière? Au niveau 2, je crois. Deux. Mais en fait, on a pas à monter, en fait, c'est pas un problème, on peut rester au bas niveau. Mais bon, je trouve que pour une première fois, j'ai envie de jouer quand même, quoi. Discuter avec un patient. Ouais. Au moins, elle discute d'une chose qui t'est... Ah, nettoyer une flaque. J'espère qu'elle aura le temps. Elle est crevée. Ouais, 240 simflouz. Donc disons que ouais, on a c'est pas demandé d'aller au niveau 10 parce que de toute façon, il faudra qu'elle change de carrière à un moment donné. Donc mais moi en fait, vu que c'est la première fois que je joue cette carrière, j'ai envie de voir et d'avancer. Comme ça. Salut chérie, je me voilà de retour pour te jouer un mauvais tour. Je vais aller dormir parce que je suis fatiguée. Et lui, il est passé militaire. Et d'ailleurs, tu vas aller courir, mon coco. Non, tu vas pas dire des mots interdits. Pardon. Tu vas aller courir. Parce qu'il va te faire de gagner du fitness. Voilà, des nouvelles tenues que je lui ai mis avec un petit... Le pull que nous avons avec Tricot de Pro. Voilà. Et ici, bon bah, c'est une tenue très estivale. Alors qu'on est en hiver. Comme ça, je fais monter son fitness. Tranquille, Emile. Des pigeons! Qu'est-ce qui se passe? Oh, nuage, on dort.
Excuse-nous, on est en lune de miel là. Ça se voit pas. Hein. Non mais, faut arrêter de boucher les trucs en fait là, madame. Bon, pour l'instant, elle dort. Dès qu'elle sera un peu remontée quand même. Oh, il a même pas fait la vaisselle, cet enfoiré. Quel gros dégueulasse. Notre mari est un gros porc. Tu as reçu de Shirley, je l'avais utilisé, ça faisait ramer un peu beaucoup mon PC, mais c'était il y a au moins un an, parce que ça faisait vachement ramer en live, et je l'ai pas réinstallé depuis un moment. GG c'est nana, mais je l'avais, et là il faudrait que je voie pour essayer de le remettre en fait. Mais ça fait trop longtemps, donc si tu me poses une question technique, je pourrais pas te répondre. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Mais il y a un truc de marché ici. Je savais pas qu'on pouvait vendre comme ça dans la rue. Encore une Sims que vous m'avez fait ça. Tiens, Nox, il a trouvé du boulot. Bon allez cocotte là, il va être 18h, tu vas te lever. Tu vas me faire un petit pipi. Eh, c'est pas normal hein, qu'il n'y ait pas de problème dans cet appartement là. Et puis elle va se remettre au tricot là. Alors, elle avait commencé quoi au tricot? Je sais même pas. Tricoter. Reprendre le projet de tricot. Chaussettes mimolées jaunes et blanches. Oh putain, elle a dégueulassé tout le shot. Hein. Grosse dégueulasse! C'est elle qui avait commencé, hein, c'est pas moi. Après l'orange, c'est quoi? C'est rose? Je crois, je sais plus. Non, on n'a pas le temps, tricote. Mais t'es par... À qui tu parles, toi? Arrête de parler aux gens. Ah, il a eu sa médaille. Vas-y, rentre à la baraque. Arrête de draguer. C'est à cause de ça qu'on va te divorcer avec toi. Joby Joba. Eh, beau gosse. Hein. Beau mec, dommage. Dommage, on est bien juste de se marier. Hein. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Un petit blondie dans l'aventure. C'est bien, il fait la ménage. Des petites chaussettes. Les chaussettes, c'est super chouette. Pourquoi t'es obsédée avec dormir toi? Mais non, tu vas manger aussi, cocotte, là. T'as du jambon, là. Tu peux venir nettoyer les chiottes, s'il te plaît. Puis tu me feras une douche aussi. Est-ce qu'elle travaille demain? Oui, je crois. Ouais. Logiquement, promotion demain. Niveau 3 de compétences tricot. Ça va vite. Hein. Ça va encore super vite. Salut, petite dragon, comment tu vas? Ben voilà, j'ai arrosé toutes les plantes. Ah. J'avoue. Bon, elle est contente, mais ça l'a saoulée quand même, hein, tricot. Un petit bonnet rose. Oui, ben mange, après t'iras te coucher. Quoi, t'es colère? Voisin bruyant, ah. On va commencer par être poli. Polygame. Présente-toi. Militaire. C'est pour lui dire que bah, si tu commences à nous casser les couilles, moi je suis militaire, je ramène les tanks. D'accord? Si tu te calmes pas avec ton bruit...
Je te défonce. Toutes mes excuses, vous avez raison, cela ne se fait pas. Nous allons essayer de faire moins de bruit. Si seulement tout le monde était comme ça. Excusez, allez, vas-y, va, et puis rentre manger, tu vois. Tu vas pas manger des... Oh. Il y a du jambon. Ah, ça s'est arrêté. Et toi, t'as pas encore fini ton jambon? Ah si. Mais ah non, mais alors madame, cassez-vous maintenant. Vous êtes pas chez vous là. Allez, Lia, au lit. Mais quoi? Appréciez la compagnie. Mais il va dormir. Tu lui apprécieras sa compagnie plus tard. Mais à cause de la musique. J'ai compris. Un peu tard, mais j'ai compris. Mais il est con, lui aussi. Pourquoi il met de la musique? Il voit pas que sa femme, elle est en train de dormir, non? Nanar! Je vous jure. Si tout le monde est comme ça. Bah si, ça serait bien. Je suis toujours là, mais j'ai un gros souci avec une amie qui ne va pas bien. Mais pas de soucis, sorcière. Pas de problème. La tronche qu'elle fait, la meuf. Bah... Salut Mel, comment tu vas? Est-ce que ça incruste à la part? Mais oui, genre, bon, c'est comme si moi j'allais râler pour l'autre connasse au-dessus. Et puis, je rentre chez moi et d'un seul coup elle suit en disant eh, et puis sinon, ça va bien. Casse-toi. Counasse. Alors Dan va aller travailler. Hein. Premier jour de taf. Ah, bah voilà. Le lit, un petit souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Lila. Ouais, mais je m'en fous de toi. Va bosser. Non, tu vas pas faire de toile. Tu vas aller travailler. Regardez-le. Oh là là, quel mec. Lila, tu peux prendre une douche, aller aux toilettes. Mais elle a toujours pas bien dormi, hein. C'est quoi ce lit de merde? Avant, elle dormait super bien, mais je pense que son mec, il doit ronfler parce que... Du coup, elle arrive pas à dormir. Très bien, le casse-toi. Coup de boule. Non mais oh, ça va bien, ouais. C'est quoi ce délire? Et pourquoi tu marques je travaille là. Parce que t'es transparent. Putain, mais j'en ai marre de ces... Excusez-moi. Je suis désolée, il y a un moment donné. J'en ai marre. Hop! Il n'y a plus de collègues fantômes. Je suis désolée. Non, le Sims, supprimer le Sims. Hop là, voilà! J'espère que les futurs collègues qui vont nous envoyer seront des gens en chair et en os. Prévu un échantillon. Ah, tu as prévu un échantillon. Tu vas examiner les oreilles. Donner un médicament. Un petit rouquin, monsieur Yann Petit. Ah mais... C'est le. Il doit être avoir un rapport avec notre voisin. Il a la même tête. Oui, j'ai vu qu'elle avait manqué de rigueur. Hein. Elle fait de la merde. Une petite picouse, mon petit. Là, c'était pas compliqué. Bon, c'était pas les médicaments, mais je m'en fous que ça en fait un de moins. Aujourd'hui, je me débarrasse de tout ce qui me dérange. C'est notre Lila est une femme mariée. Tout à fait! Elle s'est mariée, ça y est, pour l'instant mariée. On ne sait pas encore d'autre ce qui va se passer à la suite, mais qui sait. Bon, le lit, on va le laisser comme ça. Est-ce que monsieur a besoin d'un médicament? Ouais. Bon, lui, il a les yeux étoilés, je crois. Transférer le cas d'un patient. Joby Joba, qu'est-ce qu'il y a? Mais donne-lui!
Oh, pourquoi tu lui fais changer de lit? Patrick. Patrick Ritchie est pas trop dégueu, bon, les yeux marrons, donc... Allez, faire une analyse, transférer le cas du patient... Ok, faire une analyse, tu... Non, c'était pas ça, c'était ça. Tu vas faire ça. Mais c'est une blague! Ils ont décidé que ce serait que des fantômes, en fait, c'est ça? Je vais me taper tous les fantômes du monde? Vous faites supprimer. Je veux des... Oh, y a Mini qui vient à l'hôpital. On va s'en occuper après. On va la soigner. Mais c'est quoi ce délire? Ça me ferait, je préfère. Pourquoi tu veux pas de yeux marrons? Parce que ça a été un enfer pour s'en débarrasser. J'ai eu une Sims qui a contaminé toute ma lignée dans notre Sobéry. Je n'en veux plus maintenant. Les yeux marrons, je ne veux plus de yeux marrons dans les Sims. Voilà, c'est décidé. Non, parce que en plus, moi j'ai moi-même les yeux marrons et je trouve ça pas forcément beau. Je parle pour moi, évidemment. Les autres personnes qui ont les yeux marrons, je le remarque pas. Et c'est pour ça, moi, les Sims, maintenant j'ai décidé que je ne voulais plus d'œil marron. Voilà, c'est comme ça. Bon, vas-y. En plus, ça t'a terminé il y a 10 ans, là. Je crois qu'il y, a une il y avait une flaque juste derrière toi, c'est super. Allez. Essuie, matelot. Transférer le cas du patient. On va... Ah, des vivants! Oh, ça fait du bien, regarder, cette personne est bien vivante. On va elle est encore là, elle? Ouais, il y a du monde, hein. Je crois que madame est venue accoucher. On va... Non, mais arrête d'essuyer toutes les flaques! On va administrer tout le monde, là. Tiens, faire un lit. Oh ouais, mais Mini, tu t'assois là où il y a un lit qui est pas bien fait, tu te fous de la gueule du monde un peu, non? Oh, prélever un échantillon. Allez, viens, on va te prélever ce qu'on peut te prélever. Mais quoi? Mais c'est quoi? C'est les chaises musicales, le bordel, ou quoi, là? Comment elle a rien fait? Qu'est-ce que tu veux, ma nièce? Tu ne m'examineras pas. Vas-y, tu vas le transférer, lui. Non, mais il se change comme ça, les trucs, là, tout va bien, quoi. Manon. Allez, échantillon. Allez, Tati, monte-moi ton trou du cul. Je vais mettre un petit... Non, mais c'est, t'inquiète, c'est juste un petit thermomètre. Regarde, il a mis les oeil. Merde, j'ai mis les oreilles. Allez, Tati. T'as les nœuds étoilés, Tati. J'ai essayé. Examine les oreilles. Allez, une oreille. Va examiner une oreille à Tati. Au cas où elle en a... Je sais pas si elle en a, d'ailleurs. On les voit pas. Ah si, j'ai vu un bout. J'ai vu un lobe. Oh, Tati, elle a rien dans la tête. Elle est con comme ses baskets. Demander de partir. Oh. Hop. On va donner à Fifi. On va analyser échantillon. Oh, c'est un peu toujours la même chose. Logiquement, on devrait avoir une promotion, hein, à la fin de la journée.
Parce qu'on a tellement bien travaillé. Ah non, on a plus la promo. Mais quoi? Et on a tout géré comme il faut et tout, et puis... Vas-y, pourquoi? Regardez, j'ai supprimé le Sims qui était à l'ordinateur et l'ordinateur continue de fonctionner. Logique. Donner de la nourriture. Tu vas donner de la nourriture. Et encore là, lui! Mais il y en a, ils viennent tous les jours, en fait. C'est maladie imaginaire. Ah, la femme, elle est partie accoucher? Y'a que moi qui travaille dans cet hôpital, hein. Allez, c'est votre tour, monsieur! Allez, venez! Le lit est prêt. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da! Voilà, promotion! Élu au poste soldat de 4e classe. Ah non, c'est pas pour elle, c'est pour lui. J'allais dire, ah bon, ils sont soldats dans les... C'est Dan qui a eu une promotion, c'est très bien. Je suis contente pour lui. Prélever un échantillon. Ah oui, et discuter de l'état général de santé. Elle, il vous reste une heure. L'ordi est vivant, c'est ça. Bah, en fait, il est complètement... Mickey Grisou. Il est complètement hanté. Salut Nami, comment tu vas? Bah logiquement non, j'ai eu deux humains, deux vivants à la place par contre. Je dis humain à la place de vivant moi. Et Feli. Voilà, on est en or là, on va donner de la nourriture, vas-y. C'est bien là, on a tout fait. Cool, tu peux pas aller dormir? Il lui reste une petite demi-heure. Viens dormir sur le canap. On s'en fout. Et voilà la journée de la promotion. Lila a été promue assistante médicale. Gagnant désormais 12 simflouz de plus par heure, soit 35 simflouz de l'heure au total. Et elle a également reçu un bonus 256 simflouz. Les appareils à rayon X sont désormais disponibles au travail pour radiographer et examiner les patients. Vous pouvez désormais donner des conseils médicaux. Et vous pouvez désormais donner de mauvais conseils médicaux avec le niveau 3 en malice. Bah non, mais c'est pas cool, hein, ça va... Donc je suis pas très pour, mais... De quoi dans les paramètres du PC? En tout cas, nous avons gagné une promotion. Nous sommes au niveau 3. Du coup, c'est en est où je regarde ce qui a manqué à regarder, c'est juste voir si on en... Eh bien, voilà, niveau 3 pour son travail. Elle va aller se coucher direct, hein, parce que... Ah non, il faut qu'elle répare. Elle répare. Et elle est mariée. Avec Dan, ils se sont mariés. Bah, elle vit toujours sur le PC. Tu peux faire la vaisselle aussi pendant que t'es... Merde, des factures sont arrivées. 500 ! Heureusement qu'ils sont deux. Mais je t'ai demandé de réparer! Tu vas te faire engouffrer dans le lit, là! Lila! Le lit, là! Lila! Et hop, à niveau 4! Mais c'est cool, ça! Il est réparé, ton truc? Amélioré. Quand tu as amélioré les ressorts. Va dormir. Dors. C'est la première fois qu'il cassait le truc alors depuis qu'on l'avait. Hein. Quoi? Il a mis la musique. Laisse ta femme dormir, c'est pas croyable! Toi, tu vas aller courir, moi je te le dis. Va marcher au pas. En plus, il faut que tu marches au pas, donc c'est parfait. Souvenez-vous, c'était notre petit Lionel qui faisait ça. Lio forever, sieste disco. Ah bah oui, avec le truc machine à danser, c'est sieste disco. Ça change pas, hein. Ça change rien, ils dorment pareil que les autres, mais c'est sieste disco, je sais pas pourquoi. Toujours pas de mort avec le lit, non. Oh, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais les Sims, non. Thierry Chevalier.
Bon, déjà, le bouquin, tu peux le mettre dans l'inventaire, s'il te plaît? Parce que là, t'es en train de faire n'importe quoi. Et tu vas marcher au pas. Oi! Imaginez un gogol qui se balade comme ça dans la... Ah! En ce temps-là, elle dort, hein, bichette. Elle est crevée, hein. C'est un peu un lit de merde, hein. Ouais. Comment? Initiative de recyclage, c'est bien. Alors, cocotte, il y a déjà 10 000 trucs dans le... Voilà, pour manger. Si tu veux, tu pourras aller aux toilettes aussi. Du coup, tu commences à quelle heure? À 8 heures. Ça reste quand même tôt pour elle, quoi. Se lever à 7 heures. Ah non, il n'y a pas de jambes de bois, il n'y a que des nouilles. Ça se voit pas, la meilleure façon de marcher c'est encore la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Il m'a fallu du temps avant que je capte, mais. Non, mais le mec il a marché au pas, il en peut plus. Mais non! Mais l'autre il achète à bouffer, il habite là-haut quoi. Il y a des merdes partout dans cet appart. Comment? On les fait divorcer quand les enfants? Parce que là, elle a rien le temps de faire, hein. Ah, ça va, non, il est presque 8 heures. Ah ben! Je voulais justement la faire tricoter quand elle est aux toilettes, mais elle l'a fait elle-même. Écoutez. Je savais pas que ce travail existait dans les Sims. De quoi? La militaire? Ou la médecine? Pire que Ayo à niveau endurance. Elle vient de prendre une douche, gars. Non, mais je me souviens que Lionel, quand il le faisait, c'était très. À chaque fois, il puait sa mère après avoir marché au pas. Pêche au Basile maintenant et divorce. Mais non! C'est faux que ce soit la faute de Dan, pas de Lila. Quoi? Je le fais exprès, ben. Ça va? Ça se passe bien? T'attends qu'il y ait un morceau qui tombe encore ou... Tu tricotes VC. Ah bah oui, bah, on l'a vu dans le trailer, c'est la réalité. Lila, elle aime ça, mais en fait elle aime pas, mais elle aime bien. Dès qu'elle a l'occasion, elle tricote. Ah, la pauvre, elle est crevée. Il est 21 h, tu peux me jeter ça, cocotte? Ah, bah il faudrait que tu ailles réparer ça aussi, parce que monsieur a tout cassé. Comme je veux lui faire maxer son bricolage. Dan peut pêcher, Basile, ça le dérange pas qu'à part. Ah, ça je veux bien. Alors viens, on va appeler Basile. Où est Basile où? Basile Boli, Basile, Basilo, Basilou Bilou, il est là. Oh la pauvre. Ce que je lui fais faire encore. Je vais la faire tricoter encore. Hein. Tricoter. Détricoter, reprendre le projet. Bonnet ours rose. Allez, tu vas finir ton bonnet. Ah bah ah d'accord, il lui restait pas grand chose. Elle m'en a fait deux. Ok, super. Tu vas me tricoter. Objet. Porte-plante suspendue. Ma vie. Ah là là, tu vas me faire des petites plantes pas courtes, je veux des moyens. En violet, évidemment, parce que c'est sa génération. Moyen rose, moyen violet. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il a, lui? Voisin bruyant. Ah, encore?
Mon Basile Vous croyez qu'ils font crac-crac ou quoi? Non. Parce que quand tu gueules comme ça, en général, si quelqu'un tape aussi gentiment... Mais y'a plus personne? Non, mec, nettoie. Ça se passe, cocotte? Avec ton tricot? Bah, Basile ne vient pas. Je pense qu'il pouvait pas venir. Si, normalement, il devait arriver, mais il vient pas. Tu me dirais, il est peut-être en bas, hein. En même temps, il y a la fête en bas, c'est logique. J'en peux plus. D'accord. Ok. Merci à Maybing pour ton follow et bienvenue à toi. Oui, après, cocotte, tu pourras aller dormir. Promis. Juré, craché. Il est où Mais il est où? Bon, il est pas venu, hein. Farceur et blagueur ont fait match nul. Waouh. J'aime bien, c'est que si tu participes pas au festival et tout, de toute façon, ce sera un match nul. Si tu participes, ben, tu gagneras forcément. Waouh. C'est bio. Bonjour mademoiselle. Ça va, Lila, elle est partie se coucher. Oh, on a la petite plante. Oh, c'est trop joli. Ah, ça, rien que pour les plantes. Alors, sur la galerie, moi, j'ai partagé toutes les plantes dans une petite pièce. Vous n'aurez pas à les tricoter, vous les aurez déjà. En profitez-en. Je sais pas. J'ai une idée comme ça. Relidi, est-ce qu'on peut vendre les objets tricotés sur Plopsy? Doute sur le nom. Oui, bien sûr. Ça, on sent c'est les personnes qui n'ont pas regardé mes vidéos. Oui. Tu veux qu'on les vende dans la partie, tu veux dire? Ou est-ce qu'on peut les vendre tout court? Qu'est-ce qu'ils ont avec les trucs, là? Mais t'es méchante, toi. On s'approchera pas de toi. Whoopsie! Ne le sais pas. Oups. Oh putain, mais c'est quoi ces Sims avec des masques là de catcheur? Quel enfer. On peut vendre tout et n'importe quoi. Et ouais, on peut vendre même des bougies. Merci Bobo Parisien, c'est gentil. Je viens d'acheter le kit tricot, je vais essayer demain. Et eh ben j'espère que tu t'amuseras bien. Mais lui, il doit se lever super tôt en plus. J'avoue.
Ah, les machines à danser, elles aussi. Bon, après, tu iras te coucher. Nous, on va surveiller Lila, si tout va bien, si elle se fait pas manger par le lit, parce qu'on a presque un peu oublié ça. Ah! Petite fuite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de fuite. Hein, Moumou? On n'avait pas eu de fuite, mon cœur. Mon petit cœur d'amour. Touk, je vais enlever ça. Oui, c'était horrible, ça va. Mais pourquoi son niveau est toujours hyper bas pour dormir, hein, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, ça fait une heure qu'elle dort, deux, trois heures qu'elle dort, toujours aussi ridicule, en fait. Elle va dormir. C'est toi, tu dois te lever super tôt pour ton boulot. Hein. Travailler à 6 heures. Très tôt. On va se faire une petite journée et je pense que on sera bien pour aujourd'hui, pour avoir avancé. Bon, il faut divorcer. Hein. Même partage assez gentil, Bobo Parisien. Ils luttent contre le Covid. Qui ça? Ah oui, avec leur masque. Juste avec les trous aux bons endroits, quoi. Si j'ai regardé, j'ai demandé si on pouvait vendre que les objets tricotés. Eh ben non, non, justement. Qui avait les bougies. Il y avait la bougie. Mais. Non. Dors! Par contre, lui, il doit être affaît. C'est pas grave, t'iras pisser là-bas. Lui, content. Et nous, on va déjà rejoindre Lila. Oh la vache! Trop de travail. Trop. On a le temps de rien. Ça me rappelle un peu Pepper, hein, quand on allait tout le temps travailler avec Pepper. Mais qu'on rentrait, que son mari n'avait rien fait de la journée. Ah non, hein. Pas de fantôme, hein. Bon. Prélevez un échantillon sur un patient. Ouais, hop. Radiographer le corps d'un patient et réussir à calibrer un appareil à rayon X. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est ces trucs-là? Effectivement, à calibrer. Bonjour madame, comment vous allez bien? Ouvrez bien grand la bouche. Et hop là! Voilà, on va faire le test du Covid, on revient. Alors, on va radiographier. Ah. Non. Pourquoi je clique plus vite que mon ombre? Ça m'agace. Radiographer le corps. Juste, d'ailleurs, qu'on va laisser la tête là et on va partir avec le reste parce que. Prendre. C'est son truc. C'était ça, radiographier? Je pensais que c'était le machin qu'on allait. Oh, c'est nul! Je suis tristesse! Température. Température. Ben voilà. Radiographier un patient avec l'appareil à photo à rayon X. Hein? C'est ça? J'en sais rien. Pas rassurée la madame. Vas-y, fais voir. Arrêtez de bouger. C'est remboursé en plus par la sécurité sociale. Tu sais avec déjà qui tu devras qu'elle se marie. Bah le même. Il faut que tu te remaries avec le même mec en fait. Sinon j'aurais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait trophée de cheval.
Allez, tu vas transférer. La fufu. Ah non, j'ai encore une... Allez là. Tu vas juste disparaître, je suis désolée madame, mais j'en ai marre. Tac. Pouf, il n'y en a plus. Faudra une nouvelle collègue hein, plus tard, parce que là, analyser l'échantillon de patient. Tac. Examiner, prévu un échantillon. Tu veux faire quoi? Non, tu vas pas faire... Ah oui, si, elle a la dalle, la cocotte. Cocotte minute. Hop, sandwich. J'allais dire, je la connais, celle-là. Tiens, on va t'admettre... On va y faire une radio directement. On va te mettre sur un lit. C'est un peu que des roues, là. Les roues sont malades aujourd'hui, hein, dans l'hôpital. Oh là, elle a pété des oreilles. Oh. Il y a un seul, elle mange son truc. Bah, il vient d'où lui? Bon, tu l'admets ou tu l'admets pas? Ouais, c'est bien. Oh la vache, par contre le lit était pas fait. C'est pas grave. Ok, tu pètes des oreilles, tout va bien. Tout va bien se passer, madame. On va t'examiner les yeux. Ça y est, le jeu est buggé. Allez, hop là. Madame. Oh, madame est enceinte. Un petit bidou quand même. Hein. Un petit bidou. Bon app, Bobo Parisien. Oh bah, après on va... quoi alors? Examine les yeux. C'est pour ça qu'elle a bugué. Pas de soucis. C'est une maladie, c'est invivable. Des fois ça sort tout seul, même si je relève. De quoi? Ça sent le roussi. N'importe quoi. Alors, radiographier le corps. Radiographier le corps. On va prendre la température de nouveau. Enfin, de nouveau, tout court même. Ok. Transférer le cas. On va transférer le cas. Tant qu'on y est, transférer le cas. À Fufu, parce que c'est. Il y en a qu'un. This is the one. Et analyser l'échantillon d'un patient. La diarrhée. What? Vous êtes dégueulasse un peu, non? Ça sort tout seul là. Ah, oh, comme la diarrhée. Ah, t'es... Oh, non, c'est dégueulasse. Il y a grave devant, ça fait trop de bien. Eh ben, c'est fermé chez moi, donc je peux pas te dire. J'ai le ventilo, moi qui me donne du vent. Donc c'est agréable, mais. Pourquoi à chaque fois que je transfère, j'ai un truc où je dois discuter? C'est-à-dire qu'il faut que je réintègre un nouveau mec. C'est un peu chiant en fait. C'est chiant. Ça lui fait travailler quoi quand elle fait ça? Tu dois pisser. Oh ma cocotte. En plus il y a un toilette, il y a 10 000 km. Vas-y. Elle est dans un état, la pauvre quoi. Elle finit à 16h. T'as pas le temps de penser à un membre de ta famille, je suis désolée. Alors, est-ce que toi, tu as besoin d'un médoc? C'est une piqûre, donc non. Médicament. Bon, on est déjà en or, hein, donc en fait, après, elle ira se coucher. Hein. Allez, viens dormir. Je mets à profit. Mais elle dort mieux dans son sieste sur son canapé que dans son lit. Je pense qu'il va falloir qu'on se débarrasse du lit. C'est pas grave, c'est naturel. Oui, c'est très naturel, effectivement. Mais bon, ça fait pas très glamour, on va dire. Exceptionnellement, il n'y a pas beaucoup de vent chez moi aujourd'hui. Ah ouais, parce que le lit, là, j'ai l'impression que ça va pas. Elle dort mieux en faisant la sieste, quoi, dans un canapé. Regardez-moi à quel point il travaille pas.
Regarde là, elle fait que se balader sur internet, regarde, elle est paresseuse. J'ai tout ça à faire rentrer. Oh, t'es belle toi. Bon, t'as les yeux marrons, mais t'es belle. Elle est jolie. Allez. Et 364 simflouzes. Magnifique. Bon, il va falloir qu'on fasse le petit drama maintenant. Il a dragué une fille. Il a dragué une fille. Est-ce qu'on est censé le savoir? Ils vont discuter. Ils vont discuter. Ça va, mon mouche? T'as faim, mon amour? Hein? Doudou? Oh là là! Ça, c'est une grande bouche. Sans dents, mais une grande bouche. Mais non, mais l'embrasse pas! Tu vas divorcer! Faut que lui il s'énerve sur elle, tu vois. Genre. Il va critiquer les crac-crac. Ah, il faut qu'elle aille s'asseoir parce que c'est vrai que c'est trop difficile. Une conversation debout, c'est compliqué. Venorba KBC Bo. Ubarig Lire. Blows it. Yefid May. Ina. Pifatal Bivangi. Thimba Yanifab. Retinu. Nebs. Oh, yeah. Wobay. Pator. Dobie. Yes. Oh, Didou. So what a new boy. Si on peut imaginer que pendant qu'il est en train de se plaindre, il fait ouais d'ailleurs toi, même quand on fait l'amour, t'es tellement nul que voilà quoi. Ça lui a pas fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire? Taper dans le ballon? Mais tu vas pas taper dans le ballon. Oh, il s'aime plus. S'excuser avec élégance, mais t'as rien fait, c'est lui qui devrait s'excuser. Mais what? Toi, tu vas lui crier dessus d'ailleurs, tu vas dire d'où tu me critiques là, connard, hein, enfoiré de ta mère. Déjà, ta mère, au lieu de la guérir, j'aurais dû la laisser crever dans son caca quand elle est passée à l'hôpital. Et juste après, il sourit, ça me fait très. Ils sont bêtes ces Sims alors. Se disputer. À propos de la politique, ça c'est vraiment le truc de merde la politique, hein. Et les gens qui se prennent la tête là-dessus. Voilà. Oh Darbo, Darbo, Farbo. Oh ouais, regardez comment ça descend. Non, c'est Lila qui va divorcer. C'est à cause de lui. Il était tendu, il a commencé à la critiquer et tout. Et puis c'est parti en vrille quoi. Puis en plus là-dedans il va l'insulter. Ah, c'est pas tout rose hein, c'est tout violet. Et le jeu qui commence à me prêter. Oui, il veut faire un bébé. Non, c'est pas tué pour l'instant, ils sont pas très pour l'instant. Allez, tu vas recrier dessus. Lui, il a dit, ouais, tu sais même pas baiser tout, donc elle a commencé à s'énerver, ils se sont disputés. Tu dois divorcer et te remettre avec, d'après ce que j'ai oublié. Oui, tout à fait. Oh là là. Vas-y, tu vas jeter une boisson, là, ça va trop loin, cocotte. Critiquer l'apparence du visage. Toi aussi, tu vas critiquer sa manière de te faire des crapules. Ad. Tiens, un jus de règles dans la tête. Hein? Hein? T'aimais pas me faire l'amour quand j'avais mes règles, hein? Ben voilà, c'est bien fait pour toi maintenant. Et franchement, quand tu bandes, c'est plus vers le bas que vers le haut, hein. Bon, par contre, il s'aime plus, hein, ça y est, c'est officiel. Oh,
Oh, ça y est, il s'aime plus. Ah, oh, c'est violent. Allez, c'est parti pour le divorce, cocotte. Je suis désolée, mais il est temps, là. Bancha Sabara? Oh, Pepewa. Oh, Shuni Kinza. Lauren. Je suis désolée, mais... Si ça commence comme ça, hein, bah franchement, le mariage, c'est de la merde. Hein. Ils se sont perdus de vue, ils ne sont plus meilleurs amis. Oh, quelle tristesse. Du coup, ils vont regarder la télé ensemble pour se... Qu'ils sont bêtes. Essayez de réparer, ma belle. Ah non, mais ça me fait rire, en fait. C'est complètement débile. RTCCST triste. C'est ça. Non, tu vas pas aller dormir, meuf. Meuf. Et tu vas regarder la télé. Dans ton lit, si tu veux. Mais alors, là, ça va être chaud, hein, parce que... Ils vont se faire se partager un lit. Bah, va manger, t'as raison. Je te demande de regarder la télé, mais tu veux manger, écoute. Lui, il écoute de la musique, elle veut regarder la télé. Comment ça va, ça va encore se disputer, là? Ouais, mais de toute façon, hein, c'est mon appartement, c'est à toi de dégager. Ouais, mais moi, j'ai tout quitté pour toi. J'avais à peine 18 ans que je me suis engagée avec toi. Maintenant, j'en ai 19. Allez, il est triste. Bah, je vous aurais bien proposé de faire cac-crac-crac, mais pour remonter le divertissement. Essayez de réconforter. Déménagement, construction, visage romantique. La semaine prochaine. Ça va être un très long live, je pense. Bah, je pense qu'on va déjà savoir où est-ce qu'on va habiter. Donc n'hésitez pas sur YouTube à mettre une ville qui vous intéresserait pour savoir où on va déménager. Pour construire une petite maison. Après, je prendrai, je pense, sûrement une de mes constructions coquilles, comme ça, pour aller plus vite, qu'on remplira juste. Allez, laisse-le dormir. Tu vas prendre une douche, ma belle. Après, tu continueras de manger. Il arrive à dormir, là, qu'il y a de la musique. Ah ouais, j'allais dire. Allez, pleure. Et dors. Les souris sont de retour. On a eu 2 jours de tranquillité, c'est revenu. Les problèmes. Elle a une très bonne réputation. Tu peux me nettoyer ça? Et retourner à la douche, s'il te plaît. Il va falloir vous partager le lit. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui dort, mais après, il ira dormir, je sais pas. Bah, il n'y a même pas de faute, il y a même pas de canapé. Je sais pas s'ils peuvent encore dormir ensemble ou pas. C'est horrible. Dormir avec ton ex. Et dire que vos parents, ils ont dépensé plein d'argent pour pouvoir vous offrir un super mariage. Et voilà ce que vous en avez fait. Hein. On est mardi, vous êtes déjà divorcés. Le mariage a duré 3 jours. Soulani. Bah, Winnenberg, on y vient. On en vient. On y était déjà. Soulani. Je pourrais pas regarder la semaine prochaine. J'aurai ma fille à la maison. Mais c'est nana. Tu sais bien que le jeudi, c'est le jour d'une autre sauberie. Ils sont en train de faire crac crac. Ça va pas lui faire plaisir à lui. Genre ils sont en plein divorce et puis les voisins ils sont en train de baiser quoi. C'est horrible. Ah, pour vous dire, quand je vous dis que moi j'entends tout ce qui se passe là-haut avec les coups dans mon plafond et tout, comme quoi je fabule pas, ma voisine d'à côté m'a quand même confié que bah elle entendait le voisin du dessus baiser, donc c'est glauque. Voilà. Moi il baisse pas au-dessus. C'est au moins ça. Ah non, l'autre il en cale, il en serviette, c'est dégueulasse. Surtout regarde comment il est moche. Mais comment tu peux te reproduire? Comment tu peux avoir quelqu'un dans ta vie? T'es moche. On va faire juste un peu moins de bruit quand vous baisez parce que ça c'est un peu glauque en fait. Oh.
Un petit pipi. Comment ça? Il n'y a pas de bruit là. Eh, moi aussi je vis ici, ça m'attriste que votre vie soit si ennuyeuse. Vous devriez peut-être aller dans le salon pour vous amuser vous aussi. Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Elle tricote. Elle s'est dit, eh ben moi finalement je vais tricoter. Et elle continue à le regarder. Tu lui regardes encore l'entrejambe, cocotte? Parce que ça va pas le faire. Hein. Allez, Lila, tu vas aller dormir. Qu'est-ce qu'elle a? Nouveau record, établi un nouveau record. Ah, j'ai même pas vu! Elle a fait combien de passes? J'ai pas vu, nous on pas dit. Comment je fais pour réaliser mes rêves? D'accord, j'ai pas fait attention de qui nous parlait. Allez, dors, ma belle. C'est toi, c'est elle la priorité, hein. Lui, on verra plus tard. Tu peux dormir? Non, il peut pas. Bon, c'est l'hiver, hein, mais tu vas aller dormir dehors. Écoutez, moi, je pense à son bien-être aussi, à ce petit Dan. Ah, il y a un banc, là. Non, tu peux même pas dormir là-dessus. Putain. Bon. On va devoir acheter un canapé parce que là, sinon Dan ne peut pas dormir. Voilà, un canapé, un rondin de bois. On va lui acheter un canapé de merde, hein, genre ça. Violet, évidemment, puisque nous sommes dans la gênée violette. Prune, plutôt. Ah bah nickel, là. Voilà, on bouge un peu. Putain, par contre, je ne vois rien de ce que je fais. Voilà. Tu vas pouvoir aller dormir là-dessus. Allez, Dan! Je suis désolée. Mais au moins, t'as de quoi dormir, c'est déjà pas mal. On dirait une allumette avec ses cheveux. Chapeau. Brinton Bay! Allez! Je vais enregistrer pour. Le note Soberry, moi je vous remercie YouTube de m'avoir regardé pour cette rediff. Je vous fais des très gros bisous, on se voit la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre un nom pour la ville. Et si vous êtes là la semaine prochaine en live sur Twitch, c'est le jeudi qu'on fait ça. Donc n'hésitez pas pour venir voter parce qu'on fera les votes pour savoir où est-ce qu'on déménage avec Lila et son nouveau ex-mari. Tout ça, je vous fais des gros bisous. Bisous YouTube. À très bientôt, prenez soin de vous, ciao.